presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Cantelou. Et c'est notre ami Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, salut. Salut le morning, salut July, Thomas, Natacha, Laurent, Jean-Marc, tout le monde est là. Heureux de vous retrouver après une semaine un peu calme. C'est vrai, une semaine sans looping d'Airbus. Oui. Pas de crash en hélico de Star, pas d'attentat. Voilà. Ça fait presque du bien, on se sent mieux. Hein. C'est vrai, beaucoup, beaucoup mieux. Allez, beaucoup de news et d'invités ce matin. No time to lose, ça veut dire pas de temps à perdre. No time to lose, c'est parti pour le title of the news of today. Allez, Julie dans le micro. Ouais, c'est Julie, dans le micro. Julie qui se croit dans sa salle de bain, elle parle partout, elle pense qu'on l'entend. Rhume, oui, on va parler comme au bon vieux temps. Jean-Marie Le Pen était hier matin chez Gigi Bay, Jean-Jacques Bourdin. Oui, Le Pen chez Bourdin, c'est étonnant, vu qu'il ne les reçoit jamais d'habitude. Mais bon, là, exceptionnellement, il était chez Jean-Jacques Bourdin et il a déclaré, je cite, ouvrez les guillemets, ne pas regretter ses célèbres propos sur les chambres à gaz. Et oui, papy Jean-Marie, il est un peu le, comment vous dire, chers auditeurs, le Patrick Juvet de la politique. Il a fait un tube dans les années 80 et il le rechante à l'occasion dès qu'on lui demande, de temps en temps, comme ça dans les médias en passant. Septième ciel. Les compagnies aériennes Hop, la compagnie low cost Air France, propose désormais des vols à 49 euros. Cependant, il y aura quand même une condition respectée. Il ne faudra pas oublier d'amener son pilote. Progrès social, McDonald's annonce pour ses 90 000 employés aux États-Unis une augmentation de salaire avec supplément ketchup, menu gratuit et cholestérol à volonté. Et puis on va parler people, oui, pour Jean-Marc, un petit peu de people, avec dans Gala un reportage sur la sublime Angelina Jolie. Angelina Jolie que j'ai déjà interviewée, je le dis au passage, oui parce que je suis l'ami des stars. Angelina Jolie qui, heureusement, va très bien avec après son ablation des ovaires. Par contre, vous l'avez compris, elle ne pourra plus jamais enfanter. Bah oui. Ah, le doc... Morandini me le confirme. Oui, tout à fait. Je confirme. Oui, donc c'est fini pour Angie, puisqu'on lui a enlevé les ovaires, c'est game over. Game over. Oh, oui. Non. Oui, c'est vrai que ça sonne mieux à l'écrit. Ça c'est sûr. Allez, merci Nicolas. Et puis à deux, c'est pas fini, rumeur folle. Je voulais parler d'une rumeur folle. Hier, il faut le dire, chers auditeurs, faut tout dire aux auditeurs. On est transparent. Hier, une rumeur folle courait dans toutes les rédactions. Je vois Thomas qui est en train de blêmir. Magazine Closer allait publier, tenez-vous bien, le magazine Closer allait publier, on va balancer, le magazine Closer allait publier des photos de Manuel Valls de gauche. Ouf, oui, des photos. Alors c'est des photos. C'est des photos un peu floues. Où on voit Manuel Valls être de gauche, oui. Il donne à un moment donné, c'est flouté, c'est très. C'est au téléobjectif. On le voit donner une pièce à un clochard, acheter un disque de Zaz et puis finalement, ouf, Closer n'a pas publié. L'honneur de Manu est sauf et la rédaction aussi. Ouf. Merci Nikos. Merci beaucoup. Je vous en prie. Arnaud Montebourg a créé la polémique en critiquant violemment François Hollande hier. Hein. Oh, mais c'est nul, hein, franchement, c'est nul ce que fait Hollande. De toute façon, on va dans le mur, la politique, ça sert à rien. Hein. Tous les autres pays sont en pleine croissance, nous on décroît. Bon, à part ce matin, on nous dit qu'il y a un frémissement de croissance, mais enfin, on n'y arrive pas, les déficits augmentent, le chômage explose. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Montebourg? On ne vous a jamais connu aussi négatif. Oui, vous avez pas vu à qui j'ai donné mon interview? À qui? Aux Échos. Le journal Les Échos, j'ai passé 3 heures avec son directeur, Nicolas Malbaré. C'est pour ça. Oui, tout à fait, Thomas. J'ai passé un moment délicieux avec Arnaud Montebourg. J'ai expliqué que c'était fini, qu'on allait tous crever, que finalement, il fallait ouvrir des casinos partout, vu que de toute façon, on allait tous finir ruinés. Donc, quitte à tout perdre, autant finir dans les casinos. Je t'aime bien, le gars. Hein. Tiens, t'as une bonne tête humaine sympathique, toi. Tiens, je t'offre un canapé Chester, 2 places. Moi, j'avais pas besoin de 2 places, je suis tout seul. Tellement seul. Oh merde, il est seul. Bon, bah, écoute, je t'offre une chauffeuse. Hein. Allez, jingle. Écoute-moi bien, Barré. Chauffeuse, canapés et fauteuils, les amoureux de sofa se retrouvent toujours autour de l'habitat Montebourg. Même quand tout va mal, même en temps de crise, il reste l'habitat Montebourg. L'habitat Montebourg, l'habitat sans retour. Merci beaucoup Arnaud Montebourg, ça ira comme ça. Toute la semaine, on a parlé de l'entrée éventuelle des écologistes au gouvernement. Madame Royal, bonjour. Oui, bonjour. Quelle ambiance festive ce matin dans ce studio. C'est Arnaud qui nous met en joie, oui. Arnaud Montebourg. Alors, Manuel Valls tend ostensiblement la main aux écologistes, ça vous fait quoi ça?
Oui, mais non, moi je suis déjà moi au ministère. Hein. Oui. Dites donc, j'ai un bon bilan tout de même. J'ai quand même remarquablement stabilisé l'écologie en France depuis que j'y suis. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, hein? Non, comme ça. Voilà, moi je dirais pas grand chose. Oui, non. Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à dire. Hein. C'est remarquablement stabilisé au niveau de l'écologie. Oui, bon, on peut dire ça. Vous voulez mettre fin à l'heure d'été, mais vous aviez déjà proposé cette idée en 90, je crois, en 1990. Oui, voilà, il y a donc 25 ans, si mes calculs sont bons. Oui. Hein. Et depuis, c'est passé quoi, hein? Eh bien, rien, c'est ce que je disais, stabilité à l'écologie. Et si demain, vous deviez quitter le gouvernement pour laisser votre place à un Jean-Vincent Placé? Écoutez, non, si je devais quitter le gouvernement, je crois très franchement que je le vivrais très mal. Il y a des chances. Je pense que je serais même capable de faire une dépression. Je pourrais même prendre les commandes de ma éolienne électrique, verrouiller les portes centralisées, j'irais me cracher contre la façade de mon ministère. Bon, c'est vrai, non, mais il faut relativiser. C'est vrai qu'à 12 km/h à fond sur ma éolienne, ça fera certainement moins de dégâts. Vous avez l'image, Mme Poulouni. Hein. Je pense ça, même ouais. que je serai arrêté par le rebord du trottoir. Bon, bah écoutez, ça n'arrivera pas alors. Oui, merci, Ségolène Royal. Je ne pense pas. La réaffirmation de Jean-Marie Le Pen de ses propos sur le détail de l'histoire a bien sûr mis sa fille dans l'embarras. Louis Alliot, vous êtes le compagnon de Marine Le Pen. Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, non, je dois avouer que Marine Le Pen, la présidente de notre mouvement, qui accessoirement est également, vous le savez, ma marinette, mon petit poussin bleu marine, ma petite choupinette nationaliste, mon petit sucre d'orge patriote. Non, disons-le, elle a pris cette nouvelle assez calmement, sereinement, avec tout le recul qu'on connaît. Louis, c'est pas vrai. T'as entendu mon père? Putain, il va me rendre malade ce vieux tromblant là. Bon, serre-moi vite un whisky là. Je crois que je vais devenir dingue là. Poussinette, calme-toi. Ah, fais pas chier. Tu parles de beau papa quand même. Tiens, voilà, installe-toi dans ton fauteuil. Je vais te chercher tes pantoufles et ta crème pour le dos, ça te fera du bien. Oui, c'est ça. Et active-toi. Active-toi avant que je m'énerve. Oh putain. Bon, ça vient ces pantoufles là, Louis. Remue-toi le cul, putain, je vais péter un câble, là. Voilà, ma poussinette, détends-toi. Voilà, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est pas tant de... Bon, écoute, voilà, c'est à cause de papa. Hein, avec son histoire de chambre à gaz, j'ai tous les médias sur le dos depuis ce matin. Ça n'arrête pas. Je sens qu'il faut que je cogne quelqu'un, là. Oui, bien sûr, poussinette, mais tu feras attention quand même, j'ai encore un bleu sur la cuisse. Hein. Rien à foutre. Tu sais que pour t'épargner du travail, j'ai répondu à ta place à Europe 1. Comment ça j'ai répondu à ta place à Europe 1? Je t'ai interdit de parler à un autre média qu'RMC. Alors maintenant, tu files dans ta chambre. Oui, mais voilà, mais tu es puni. Puisque c'est comme ça, ce soir, punition. Hein, on fera l'amour. Oh, ça, c'est méchant. C'est horrible. Bon, ça, c'est pas gentil. Moi, je suis preneur. Je suis tellement seul. Oh non, arrêtez. Bon, allez, il passe nous voir pour nous donner le sommaire de son émission. Oh, voilà, ça va, c'était méchant, là. Je confirme. Oui, Julie. Aujourd'hui, dans le grand bordel des médias de l'actu, de la santé, du point G, des dérapages de Jean-Marie Le Pen et d'autres, du lait demi-écrémé, des roucasseries, de l'épilation au chalumeau, des escargots de Bourgogne, des verrues plantaires, avec Jérôme Mimani, Imarni, Dimitrichenko. Nous parlerons de son nom de famille imprononçable. Appelez-nous donc au 3921, venez nous parler de n'importe quoi, ce enfin, fou qu'on meuble, hein, ça je vais vous dire. Ah, quoi, qu'est-ce qui se passe, fou qu'on meuble? L'habitat Montebourg est fait pour vous conseiller, monsieur Morandini, est fait pour vous. Oh là là. Ta gueule, mon bon. À 11h, donc une spéciale urgence avec toutes les morts rigolotes. Et oui, nous avons changé de sujet. Suicide de marrant, grand brûlé, rigolo, avec des spécialistes nous feront la liste de tous les objets insolites retrouvés dans des patients bien embarrassés. Réverbère, frigo américain, pare-choc de Twingo. Nous répondrons à cette question. Pourquoi, depuis une semaine, Julie Leclerc se déguise-t-elle en Christophe Barbier avec son écharpe rouge? Envisage-t-elle de remplacer Jean Rocasse aux têtes des deux ânes? Toutes ces questions, aucune réponse. Non, le grand rôle, les médias, t'es pas gentil pour vous là.
quand même. Juste une dernière chose. Dany Cohn-Bendit. Ouais. Dis donc, Dany. Bonjour, Dany. Ouais, bonjour, Thomas. Bon anniversaire, c'est demain. Ouais, c'est Thomas. Vous, c'est Dany. Tu sais ce dont j'aurais rêvé, tu sais quoi, Thomas? C'est que, par exemple, tu m'offres une montre, tu vois, j'ai 70 ans, j'ai encore l'enthousiasme d'un gars qui en a 20. Ça me ferait plaisir, une belle montre orange assortie à mes cheveux, en plastique recyclé aussi, parce que c'est plus écologique. Ce serait le cadeau rêvé pour mon anniversaire. J'ai compris que tu ne me la fileras pas, vu que tu ne la files même pas à Louane. Ah oui, elle l'a demandé, oui. Ah, une gamine de 18 ans, elle te demande la montre, tu dis non. Ah, donc tu ne vas pas la filer à un gars de 20 ans qui en paraît 70. Bon, ben, puisque c'est comme ça, alors je veux quand même que tu fasses un petit cadeau. Tu vas me chanter « Joyeux anniversaire » en allemand. Allez, je t'aide un peu. Gute zum Geburtstag, Dany. Tous ensemble. Alles Gute zum Geburtstag, Dany. Alles Gute zum Geburtstag, Dany. Et je vous laisse finir tout seul. Merci, Dany. Bon anniversaire. Et merci à Nicolas Canclou, qu'on retrouvera lundi en direct.